Lundi matin, oh, c'est lundi matin. Donc, oh, essayez massivement de partager la vidéo parce que aujourd'hui matin, le Chinois est mort au Fofana, est convoqué par la grève. En tout cas, ce qu'il nous a dit l'autre fois, si réellement Kasori Fofana, Kasori Chinois est mort au Fofana, est blanc comme neige, c'est que voilà, l'enfer n'existe pas. C'est que l'enfer n'existe pas. Personne ne peut me faire croire que l'enfer existe. Jamais. Si Kasori est blanc, dans la grève là, s'il est blanc, c'est que l'enfer n'existe pas. Moi-même, je vais arrêter de gêner. Je vais arrêter de prier même. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Mais Doumbichou, il n'a pas monné sur le Guinée-Kéma. Il n'a pas monné sur le Guinée-Kéma. C'est pourquoi en Guinée aujourd'hui, 60% de la population disent que non, c'est un coup d'État arrangé, c'est un coup d'État négocié, c'est un coup d'État patati patata. Doumbichou, si un militaire vient au pouvoir, son rôle c'est quoi? C'est de prendre les anciens dignitaires, tu les fous dedans, tu les fous en prison. On a vu le Mali ici à côté de chez nous, notre voisin, nos voisins maliens, on a vu leur transition. Quand les militaires ont pris leurs responsabilités, ils ont pris le premier ministre Pouyaga. On lui a foutu dans la prison jusqu'à, voilà, que son âme se repose en paix, jusqu'à il a rendu l'âme. Et nous, on ne souhaite pas ça en Guinée. Mais les Guinéens, on a besoin de la justice. On ne peut pas faire la paix sans la justice. Ça n'existe nulle part. Le président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, prenez votre responsabilité maintenant. Vous avez organisé un concert. Paix et unité ici. Et pourtant, les Guinéens, ouais, c'est vrai, on a besoin de la paix, la réconciliation, unité nationale, c'est vrai. Mais, mon colonel, ici, la réconciliation en Guinée, c'est très facile. Wallahi, c'est très facile. Même si c'est moi aujourd'hui qui est le président de la République, je peux faire la réconciliation, même pas une seconde. Parce que la réconciliation ici en Guinée, c'est la justice. C'est la justice. Point barre. Mais c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes Kasori qui viennent vous dire que l'ordre constitutionnel, mais quelle foutaise. Quelle foutaise, monsieur le président, son Excellence Mamadi Doumbouya. Quelle foutaise. Un Kasori, vous dites que l'ordre constitutionnel, vous trouvez ça anormal? Un Kasori chinois est mort, qui ont désordonné le pays là, qui ont pillé le pays là. Piller le pays, désordonner la constitution, la loi guinéenne. C'est même Kasori qui vous dit que, voilà, l'ordre constitutionnel, parce qu'il est en liberté. Eh, monsieur le président, il n'a ramené sur le Guinée-Kéma. On n'a pas besoin d'un concert paix et unité. C'est que la paix est là. La Guinée n'a jamais connu une guerre civile, une guerre militaire, une guerre quoi. Astaghfirullah. Qu'Allah nous en garde à ça. Mais le seul problème ici en Guinée, c'est la justice. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui se demandent, qui se posent même la question, mais pourquoi Doumbouya a fait même le coup d'État? Pourquoi il a fait le coup d'État? Pourquoi?
pourquoi il a fait le coup d'État. Il faut montrer à ces gens-là quelle eau vous vous lavez. Quelle eau, président de la République, vous vous lavez. Un cassouri qui ont pillé depuis l'indépendance, je vais dire comme ça. Depuis le temps de feu général Lansana Conti, après le feu Ahmed Sékou Touré, le feu général Lansana Conti est venu. Depuis le feu général Lansana Conti, Kassouri Fofana est là en train de piller ce pays-là. C'est le même Kassouri qui se lève un beau matin. Ouais, voilà, il veut être président de la République. Mais il faut respecter la dignité des Guinéens quand même. Il faut respecter la dignité des Guinéens quand même. Monsieur le Président, son Excellence Mamadi Doumbouya, je vous ai soutenu ici en tant qu'un jeune leader. Parce que les vieux politiciens opposants, whatever and whatever, ils pensent qu'un jeune ne peut pas gérer notre pays, un jeune ne peut pas gérer notre continent qui est l'Afrique. Donc si un jeune de 41, 42, 43 ans vient au pouvoir, on a le droit de le soutenir jusqu'à notre dernière énergie. Jusqu'à notre dernière énergie, je vous dis bien. Mais si un jeune vient au pouvoir et qu'on ne voyait pas la justice, et qu'on voit encore les anciens dignitaires qui ont tant pillé ce pays, qui viennent de se présenter, voilà, qui veut être voilà, président de la République. Il faut nous respecter quand même. Tonton Malik Sankon vous a dit ici le mois passé, quand vous avez vu les militaires ont pris leur destin en main, c'est parce qu'ils ont mal géré ce pays-là. Que parce qu'ils ont mal géré ce pays-là. Monsieur le Président de la République, le chef suprême des armées, son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, le pays 4 carrés là, de 13 millions d'habitants, c'est très facile à gérer le pays-là. Très facile à gérer le pays là. Vous avez dit ici devant les Guinéens. Vous avez dit ici devant les Guinéens que la justice sera la boussole. Un. Les erreurs passées là, vous ne devrez pas et ou bien vous ne pouvez pas commettre les erreurs passées. Vous avez dit ici. Votre bonheur ici, c'est de mettre les gens là en prison. Mais les Guinéens se demandent aujourd'hui, où est passée la dignité de la justice guinéenne 1. Les Guinéens se posent la question aujourd'hui. Les gens qui ont pillé là, le pays, là, le régime de Coli Condé, ils sont où aujourd'hui? Jusqu'à présent, Kabiné Sylla, il est en liberté. Un Kabiné Sylla, Bill Gates, Kabiné Sylla, l'homme le plus riche de la Guinée, il est plus riche que l'État guinéen. Kabiné Sylla, qui travaillait ici, un Kabiné Sylla qui vient de Sigirin, Bill Gates, est plus riche que notre État ici. Il est plus riche que l'État guinéen. Mais jusqu'à présent, c'est Bill Gates qui se promène un peu partout, qui est là en Guinée, tranquille, tête tranquille. Monsieur le Président, si le coup d'État est arrangé ou bien est négocié, il faut dire à les Guinéens que oui, le coup d'État a été fait comme ça, et c'est fini.
En tout cas, un coup d'état militaire, ça ne blague pas. Un coup d'état militaire, ça ne blague pas, monsieur le président, son excellence, colonel Mamadi Doumbouya. Mais regardez aujourd'hui, les anciens dignitaires, ils se promènent partout. Dès qu'on dit réunion là, vous pensez que réunion là c'est contre qui? Réunion là c'est contre vous, monsieur le président Doumbichou. Tout ce que RPG fait aujourd'hui, c'est comment renverser Doumbouya. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas comment ils peuvent avoir le pouvoir. Non. Non, monsieur le président. Leur boulot ici, c'est comment renverser même Doumbichou. Mon colonel, prenez votre responsabilité. Regardez aujourd'hui, dès qu'on appelle seulement une réunion de RPG arc-en-ciel, vous voyez directement les anciens dignitaires, les Bantamassou, les Albert Damantan, les je ne sais pas, Kassourou Foufouna, je ne sais pas qui. Monsieur le président, il n'a ramené sur le Guinée-Kéma. Il n'a ramené sur le Guinée-Kéma. Même si vous voulez, vous allez faire 20 ans de transition ici en Guinée. Mais il faut arrêter ces gens-là. Il faut arrêter ces gens-là. Il faut rendre la justice à les Guinéens. Il faut rendre la justice à les Guinéens. Nana Nerabouen Sarabi. Conseil organisé fait paix, unité ou bien réconciliation. C'est du pipeau. C'est du pipeau, monsieur le président. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Oui. Mais votre bonheur en Guinée, c'est rendu la justice à les Guinéens. Les anciens dignitaires ont tué combien de jeunes Guinéens? Combien de jeunes Guinéens ont perdu leur âme? C'est les mêmes personnes qui viennent se présenter devant les Guinéens. Eh, monsieur le président, il faut avoir pitié de nous. Il faut avoir pitié de nous. On vous a soutenu comme un jeune dynamique ici. Donc vous aussi, essayez de nous soutenir. Essayez de nous soutenir. Comment soutenir la jeunesse guinéenne? C'est de les rendre justice. Comme vous avez dit, la justice sera la boussole. C'est tout ce que nous voulons ici en Guinée. Yeah. C'est tout ce que nous voulons ici. On a vu ici, monsieur le président, son excellence Mamadi Doumbouya. On a vu ici les imams emprisonnés, Allahu Akbar. Les imams emprisonnés. Les imams sont sanctionnés dans leur fonction. Les innocents emprisonnés à la maison centrale. Les innocents ont rendu l'arme à la maison centrale. C'est pas le concert qui vont rendre justice à les Guinéens, monsieur le président. Les anciens dignitaires qui nous a tués, qui nous a emprisonnés, qui nous a massacrés. C'est ça seulement qui peut rendre justice en Guinée, de les arrêter un à un. Grief là même est étonné. Parce que grief là, c'est procédure dans procédure. Mais fallait faire comme président du Mali, colonel, son excellence colonel Assimi Koïta, il n'y a pas de grief là-bas. Il n'y a pas. Il te prend, il te fout dedans directement. Les autres là, voilà, ils viennent faire la grève contre les directeurs, les DAF. Ils n'ont,
Jusqu'à présent, les DAF de l'ancien dignitaire de Coly Condé, jusqu'à présent, c'est les mêmes personnes qui continuent à servir ce pays-là. Continuent, et c'est eux qui continuent de détourner encore des milliards et des milliards, monsieur le président. La Guinée, 13 millions nara. Amatinga Mourono, il fallait justice en place, taxe, c'est fini. Ancien dîner, Antanam va pouvoir nous, monsieur le président, Antanam va pouvoir nous. Vous me direz, les Bantamasso, les Albert Damantan, comment il s'appelle, ancien directeur de Bafoué, en tout cas, Naram Birimbara Fignara Baleginekira. Naram Birimbara Baleginekira, il a me représenté devant la justice. Mais, Bonne la Guinée de Rabolo Giki. Maintenant, mais c'est fini ma la Guinée dit en assora. Connante à Nanboma. Ma refoigne mout boma. Il m'a tourné à la Guinée B. Mario Moura Fabourma. Mario. Vous avez organisé conseil unité, paix, réconciliation. Et même si vous organisez le concert aujourd'hui, les Guinéens vont aller bien regarder le concert là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui signale ma vidéo. Mettez les cœurs. La famille, essayez d'appuyer ici, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Il y a un vampire qui signale ma vidéo. Mettez les cœurs. La famille, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ici en Guinée, même si l'État organise le concert aujourd'hui, on va aller regarder bien, mais ce qui est dans nos cœurs, c'est toujours là. Une chose qui peut déplacer la haine dans le cœur des Guinéens, c'est quoi la chose là? C'est la justice, monsieur le président. C'est la justice seule qui peut déplacer la haine dans le cœur des Guinéens. C'est pas le concert. Quand vous organisez les concerts ici, on va aller regarder. Pian, moment timoun nous sommes Takana, Balueza, Instinct, Saifon, Azaya. On crie, on danse. Mais comment elle s'appelle? Cabinet Silla, Bill Gates, destination quarantine. En tout cas, tous les anciens dignitaires. Mais 80% est arrêté. Il fera devant la justice. Les Guinéens phares n'ont pas mérité de faire les Guinéens. Parce que ce n'est pas à cause d'un troisième mandat. À cause d'un troisième mandat, vous allez tuer les Guinéens comme des moutons. Ce n'est pas à cause d'un vieux de 90 ans ou bien 85 ans. Blood clot. Vous allez tuer les Guinéens. C'est tout ce que les Guinéens souhaitaient avoir en Guinée. De diriger les anciens dignitaires devant la justice. Il n'a qu'à se justifier. Pourquoi ils ont tué les Guinéens à cause d'un troisième mandat? Et pourtant, on est libre de dire non à un troisième mandat. On est libre. On est tous des citoyens guinéens ici. Quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Mais je vais dire non. Mais on a vu ici en Guinée, dès que tu dis non à un troisième mandat, ta place est où? C'est quarantaine, maison centrale. Ta place est où? C'est au cimetière. Hein?
Ils ont tué nos amis ici, tué nos oncles ici, tué nos petites sœurs ici, tué nos tantes ici. Monsieur le Président, réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Car l'heure n'est plus de parler. L'heure est de rendre la justice aux Guinéens. L'heure est de rendre la justice aux Guinéens. De les conduire devant la justice guinéenne. De dire aux Guinéens pourquoi on a tué les 200 ou bien les 300 personnes à cause d'un troisième mandat. Ah non. Les Guinéens qui besoin on en a, monsieur le président. Quand il y a un les Guinéens qui ont un mandat, ils n'ont pas 20 ans de pouvoir. Ils 20 ans, ils 50 ans. Mais les Guinéens qui ont besoin, monsieur. Les anciens dignitaires, pourquoi ils ont tué les 200, 300 personnes ici en Guinée à cause d'un troisième mandat, à cause d'un vieux qui a 85 ou bien 90 ans, pour leur intérêt, pour enrichir leur poche. Si nous, on vous parle aujourd'hui, c'est parce que on vous a soutenu ici. Il nous a insulté, nos mamans, ici, à cause de vous, président de la République, Mamadi Doumbouya. J'ai tous les preuves ici dans mon téléphone. Il y a les jeunes RPGistes qui ont venu m'insulter, père et mère, dénigrer mes parents, à cause de vous, monsieur le président de la République, Doumbicho. Oui. Donc, monsieur le président de la République, son excellence, Mamadi Doumbouya, la place de Kasserou Fofana, c'est à Corentin. Si vous dites aux Guinéens aujourd'hui à la grief, parce qu'il est 8 heures ici en Guinée, si vous dites que Kasserou Fofana est blanc comme neige, voilà, je vais arrêter de prier. Ni gêner, parce que devant moi et Dieu et ses gens, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. De dire que oui, Kasserou Fofana est blanche comme neige. L'enfer n'existe pas. Oui, l'enfer n'existe pas. Donc, monsieur le président de la République, son excellence, Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, aujourd'hui, on va entendre quelque chose de niveau haut. Les Guinéens, ils vous regardent comme ça, les Guinéens. Ils vous regardent comme ça. Donc on veut entendre quelque chose de nouveau. Ça veut dire nouveauté. Mon gars, mais tout ouais, Kasserou Fofana destination quarantine.